Monsieur Chaban-Delmas, vous semblez tout heureux d'avoir réintégré votre mairie de Bordeaux. Quel est votre sentiment? Je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Et vous, monsieur Georges Marchais, qui êtes-vous? C'est moi le cowboy d'Aubervilliers. Monsieur Royer, votre chasteté est légendaire. Que faites-vous pour vous détendre, alors? Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Et vous, madame Royer, que dites-vous à votre époux? Fais-moi l'amour, pas la charité. Monsieur Poher, qu'avez-vous fait pendant votre séjour à l'Élysée? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous de l'élection de monsieur Giscard d'Estaing? Je suis malade, parfaitement malade. Monsieur Mitterrand, quel est votre message aux Français quelques mois après les élections? Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous des différentes réformes de la télévision? D'aventure en aventure. Monsieur Mitterrand, que vous a déclaré monsieur Marchais? Je t'aime, je t'aime. Et vous, monsieur Mitterrand, que lui avez-vous répondu? J'en rêve. Monsieur Chirac, vous êtes Premier ministre, qu'en pensez-vous? Pour moi, la vie va commencer. Monsieur Chaban-Delmas, que vous a dit monsieur Mitterrand sur le nouveau gouvernement? C'est la même chanson. Mais alors? Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. Madame Mesmer, quel est votre souvenir le plus émouvant? Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Madame Giscard d'Estaing, pourquoi anémone? Je suis une fleur de province. Madame François Giroud, vous êtes ministre de la condition féminine, quelle est votre volonté? Je veux être un homme sincère. Monsieur le Président, qu'est-ce que votre femme apprécie le plus chez vous? Les coups. Monsieur le Président, que pensez-vous de monsieur Michel Debré? La folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Et d'André Malraux? Complètement toqué, je m'éclate. Et vous, Jacques Chazot, qu'attendez-vous de monsieur Giscard d'Estaing? Je veux l'épouser pour un soir. Monsieur Paul Lederman, vous êtes producteur de ce disque. Comment expliquez-vous sa première saisie? Mal aimé, je suis le mal aimé. Arlette Laguiller, quel est votre prochain programme? Monsieur Le Canuet, comment vous a-t-on appelé à l'issue de cette campagne? On m'appelle Simplet. Monsieur Sanguinetti, qu'avez-vous à dire à monsieur Giscard d'Estaing? Ça s'en va et ça revient. Et nous concluons. Éclatez.